Benin is a country where they have started a very innovative land to practice called Urban Land Registry. But in Benin, they know that as RFU. Ici à Cotonou, la plus grande ville de Bénin, l'enregistrement des droits fonciers est en cours depuis près de 20 ans. Rassembler toutes les données foncières de cette ville d'au moins 1 million d'habitants est un véritable défi. Mais c'est un travail important et il démontre des résultats. Et le RFU, généralement, s'accompagne d'une modernisation un peu du système. Le processus de création d'un registre foncier urbain fait usage de la technologie de pointe. Et ça nous permet maintenant de disposer de notre base de données qui nous servira à faire les opérations suivantes. Comme dans la plupart en Afrique, la majorité des familles au Bénin n'a pas accès sécurisé à la terre. La ville d'Abomey a mis en place un RFI. Leur service d'urbanisme estime que le RFI l'aide à planifier les besoins futurs. Que le RFU est fortement sollicité par la direction des services techniques pour son application. Mais un inventaire complet des terrains peut être encore plus utile. L'objectif du travail de ce que nous faisons consiste en quelque sorte à améliorer la recette. Avec cette base de données, un système fiscal plus équitable peut être mis en place et des recettes peuvent être améliorées de façon spectaculaire. Ça permet d'augmenter leurs ressources et dès qu'ils ont assez de ressources, ils pourraient faire face facilement à ces services de base socio-communautaire. De nombreuses municipalités au Bénin, comme Ouida, reconnaissent aujourd'hui la nécessité d'un registre foncier urbain. Une forme foncière dans notre localité. Nous avons pensé que c'est une nécessité aujourd'hui. La réforme est critique. Et ce type d'initiative va vraiment contribuer au développement de la réforme.